Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 48e épisode de notre série, toujours en Normandie, et toujours en Normandie, donc oui, excusez-moi, avec encore l'increvable Turold, le chevalier blanc. Après notre petite croisade qui nous a fallu une richesse assez incroyable, bon, va falloir qu'on rentre tous ces petits... Est-ce qu'on a rentré les bateaux? Non, ça revient, voilà. On va attendre de rentrer tout ce petit monde. Désolé, j'avais dû couper l'épisode un petit peu bref, ça avait sonné à la porte. Voilà, j'ai gagné ma guerre. Oui, donc à l'épisode précédent, excusez-moi. Hop, j'en ai du monde en prison. Franchement, il y en a. Alors, c'est pas grave, on va les laisser. Ça pourra peut-être faire pour notre descendant, s'il exécute tous les prisonniers, on pourra peut-être faire... améliorer encore notre lignée. Princesse d'Écosse. Pas grand monde à bannir pour récupérer du fric, hein, franchement. Donc on rentre avec les troupes pour commencer. Okay. Agnès est une fille très aimante. Elle est toujours prête à mettre de l'ambiance pendant un somptueux dîner en famille ou à jouer avec les enfants. Mais sous le courant des nains, je ne peux plus. Patriarche jovial. Bah écoutez. Non ! Voilà. On dissout tout le monde. Ouais, les escortes ont morflé. Hein. J'aurais pas forcément dû les prendre. Mais enfin, quand même. On va avoir un solde négatif, je pense, pendant un moment. Construction de grands ouvrages. Ah ouais. Ouais, ça fait quand même mal. Hein. On va peut-être renforcer les escortes. Voilà. À mi-vitesse. Ça devrait nous passer. On a quand même un solde de moins 42. Non, ça y est, on est repassé en positif du coup. Ah bah, on peut pas donner priorité à tout. Hein. Bon, l'épidémie est toujours pas chez nous à Caen. Peut-être aussi grâce à tout ça, là, on va encore les améliorer. On va faire le laboratoire de pharmacologie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à Mortain Franchement, on va se faire plaisir, là, clairement. On va même aller chez les autres. Bon, après ça descend vite, hein, mais quand même quoi. Bon, écoutez, on investit un petit peu, après on va laisser faire, on va les laisser vivre. On a des grosses factions contre nous, j'ai pas regardé depuis un petit moment les factions. Ouais, un petit peu là. On va lui envoyer un cadeau. Oui, j'avais dit que mon conseil, que je regardais un petit peu où il en était. C'est vrai qu'on aurait pu aussi s'étendre un petit peu par ici. Vous voyez? Alors, quand je regardais ça. Imaginons que lui, je vais lui déclarer la guerre, parce que ça me fait plaisir. Je peux toujours pas. Si nous avons levé une armée. Ah oui! Voilà, on n'a plus d'armée levée. Tac, 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 tac. Déclarer la guerre. Libération religieuse du Maghreb. Alors ça ferait quoi, ça? On aurait Léon et Saxe. Ouais, c'est tout. Et du coup, il y en a qui rejoindraient de l'autre côté. Ouais, donc là, non, c'est pas possible. Guerre sainte, guerre sainte, guerre sainte. Ok. Par contre, faut vraiment que je cherche. J'ai toujours pas compris comment dire au pape, vous voyez, qu'on voudrait lancer une croisade, justement, contre quelque chose ou quelqu'un. Demander une invasion. D'avaliser l'invasion d'un pays catholique en dépensant de la piété. Ah oui, ça, d'accord, mais ça, je m'en fous de ça.
excommunier. Peut appeler à partir en croisade. Ouais, très bien, mais encore, comment faire ça? Fond de campagne, c'est vrai que j'aurais pu m'amuser à faire un fond de campagne énorme pour notre candidat. Pourquoi pas? Bon, il est vieux lui, par contre, 50 ans. On va essayer de faire ça, tiens, à l'occasion, avec l'argent qu'on a. Bref. Mon maréchal me dit que un de mes commandants s'est vaguement amélioré. C'est nettement amélioré, pardon, peut-être, c'était... Proposer une vassalisation. Non, il veut toujours quoi, lui, hein. On s'en fout, voilà. Ensuite, emprisonner la duchesse de Blois qui est aussi duchesse de Gascogne, c'est justifié. On va le faire, on n'a pas réussi. Ah, c'est ma femme! Oh, c'est ma femme, quel idiot! Pff, merde. Bon, bah... Voilà, quoi. Chérie, t'as chié dans la colle, hein. Comme on dit, dans le jargon. Bon bah tant pis, elle va perdre un... Non mais faut pas qu'elle perde de titres, faut que je les récupère justement. Bon remarquez, je sais pas, ça me sert à quelque chose de les récupérer mais... Oh là là, n'importe quoi moi. Enfin elle aussi d'ailleurs mais... C'était pas très intéressant de faire ça quoi. Ouais, ouais, là, on est en train de les éclater là. Ah, quoique. Si, voilà, c'est mieux. Un autre commandant qui s'est amélioré, tant mieux. On prend. J'ai plus de régent du coup. Oh. Mon intendant est mort apparemment. On va prendre lui. Tiens, alors on commence à avoir du monde qui est pour nous. Pourquoi je ne peux pas? Oui, c'est en guerre civile, on peut pas. Très bien. Bon, bah, c'est bien, ils continuent de s'améliorer tous ces petits gens là. Hop, un petit guerre, un petit combat. Oh, c'était facile, hein. C'est un peu ridicule, hein. On emprisonne notre femme et tout. Bon, remarquez, on est lunatique. La rançonner, mais c'est ridicule. C'est tellement ridicule. On va la mettre en maison surveillée. Ce qui est con parce que je baisse la diplomatie, donc du coup je baisse la mienne. Enfin, c'est un peu ridicule, mais bon, écoutez, on est parti. Allons jusqu'au bout de la chose. On peut faire quoi d'autre? Ah, c'est bien ça, l'académie médicale. De toute façon, on va tous les faire, hein, clairement. Est-ce qu'on peut tout ranger? Oui, c'est bien ça. Mon escorte, ça aurait été bien que je la mette vraiment de côté en fait.
Ah, on est plus brave. Je pense que mon escorte, je vais l'amener en Irlande, parce qu'à chaque fois je la rembarque, je fais pas gaffe. Et je vais au moins la mettre quelque part où je suis tranquille. Alors mon fils Arnold vient dans votre bureau un soir, il s'en préoccupe à prendre la paix dans tous les sens pendant des minutes avant de se mettre à parler. Père, je vous prie, laissez-moi quitter le conjoint, je vous en conjure. On va le laisser sortir, de toute façon, je vais rouvrir les portes. Mon fils est de retour. Au début de la nouvelle cela, nous allons lorsqu'un homme est dans la chambre avec une misérable personne issue de la paysannerie Bérangeria. Elle est belle. Si ça te fait plaisir, mon gars, fais-toi plaisir. On s'en fout, on a autre chose à faire. On réouvre les portes, donc. Ah, choisir une ambition. On voit le pays prospérer. Oui, bah allez, ça nous fait... Pourquoi pas? On nous a pas fait des points en diplomatie d'ailleurs, j'ai cru voir. J'ai peut-être rêvé. Charité, intérêt de popularité, fourberie. C'est la fourberie que j'aurais préféré perdre. Mais bon. Donc, on va ramener. Non, on va les amener en Cornouailles, tiens. Juste là. Parce que comme maintenant je lève les duchés, voire les vice-royautés. Je ne peux plus lever des comtés, donc là de toute façon j'aurais jamais. Ah bah si, là je peux. Ah bah si, bah ça lui appartient à la reine du pays de Galles. Alors non. On recommence. Finalement, la première idée était la bonne. Voilà. Si on peut lever des troupes aussi. Tiens, il me semblait que je pouvais pas justement quand il y avait quelqu'un qui avait un titre. Sur la vieille île qui est là, là, aussi. Oh, vous savez quoi, on va essayer de faire ça en Cornouailles et puis on verra bien. Courtisane, ouais, vas-y, pose-la si ça te fait plaisir. Hop là! Qu'est-ce qu'on a comme titre? Et chanson. Qui ne nous aime pas trop, le duc de Tanger. Allez, tiens. Ça te fera du bien. Clémenza de Conteville, ma parente. Alors on va refuser. Et elle, on va la marier à quelqu'un de la cour. Ils sont assez vieux, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas la même famille directement quand même. Pas tout à fait. Voilà. Un célèbre héros très au fait du protocole diplomatique s'est présenté à votre cour pour proposer ses services. Votre chambre blanche pour l'instant pourrait être utile. Un diplomate. Moi je prends toujours. Hein. Ah ouais! Ah t'es pas dégueu toi. Je vais y arriver alors, faire ce que je voulais à mes conseillers ou je fais encore être chiant? Voilà, toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Toi tu continues à faire ça. C'est pas mieux d'ailleurs. Tiens, toi là, hop, viens ici. Bon, là on a assez de partisans. D'accord. Je pense que là ils vont tous s'accepter cette fois. Alors, le chancelier. Bah, c'est dur hein, parce que là. Faire des revendications, oui, mais. Enfin, j'en ai assez des revendications donc. Donc, non. Plutôt améliorer les relations féodales, mais avec qui c'est pareil. Ouais, allez avec lui. Même améliorer les relations avec lui. Hop. Ensuite, chez nous, dans nos vassaux. Autre religion, toute culture, tous. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Selon le rang. Tu rêvais ou... Comte de Yegorlik. C'est où Yegorlik? Ça me paraît bien bas ça. Bah attendez, je suis fou ou quoi là?
Ah ouais, moi j'ai récupéré ça moi. Ah. Ah ouais, mais je m'en fous en fait. Ou c'était peut-être un précédent truc. D'accord. Ouais. Bon, ça appartient à elle après, bon. Ouais, pour rire, on pourrait aller le... On va aller le convertir pour rigoler, ouais. D'accord. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. On a reçu des mauvaises nouvelles. La prisonnière s'est échappée de sa cellule au milieu de la nuit. Elle a bénéficié d'une extérieure. Oh là là, ma belle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que tu t'es échappé? Ah, notre hérité vient de choper la consomption. Oula, la dépression, la grande vérole. Non. Non, non, il faut qu'il meure. Et vite. Alors même si lui est pourri, hein, clairement... Non, non, on va pas... On résiste à nos pulsions. Ah ouais, non, mais lui, il faut qu'il meure. Oh là là, manchot et tout... Oh, 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 oh. Non, je suis désolé mon gars, mais t'avais une fille une femme sympa, hein, mais... Ouais, pff, oh là là. Non. Non, 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 non. Au pire, on jouera lui, hein. Alors je dis pas qu'il est fou, hein, clairement, hein. Je suis pas grand fan. Hein. Il est même assez pourri, mais bon... Lui aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas, hein. Saint Adam l'apôtre. Alors ensuite on va faire l'observatoire. Voilà. Est-ce qu'on a des technologies, tiens? Ouais, on peut peut-être. On est en retard là-dessus, mais on peut peut-être avoir mieux que ça. Ça c'est pareil, pratique commerciale. Bon, on va le faire, allez. Qui sait, on fera vraiment de gagner un peu plus d'argent. Le monde est un droit dangereux, les conspirations sont légion. Mon fils Turold. Bah écoutez, ouais. Je suis pas contre, hein. C'est triste, hein, c'est affreux, mais enfin, là ça va être compliqué de le jouer. 80% lui, il faudrait. Alors voyons voir, si on rajoute notre pet espion. Ouais, on n'a pas mieux de toute façon. Alors juste voir si ça marche. Ah oui, bah c'est à eux de toute façon. Oh! On n'a pas quelqu'un à 1% là, quelque chose? Ah si, toi 5%. Allez. 5%, invité au complot, non. Envoyer de l'argent, oui. C'est fait, voilà. Un de nos fils, ça fait un autre fils. Lancelin. Encore un autre fils, Gérard. La conteuse n'a pas réussi, alors c'est la guerre. Bon, oh, alors là. Oh, pour aller bien loin, lui. Hein. Oh, la puissance du complot, quoi. Ça veut rien dire, hein, parce que de toute façon, on a déjà gagné, mais. Tellement ridicule. Ouais, j'y vais à la rage totale, hein. Faire chier, hein, franchement. Et le comté de Maine. On va aller faire le siège de tout ça. En accéléré. Laissez-moi vous dire que ça va pas déconner.
Hop là. Allez, on lance l'assaut, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Ok, encore un siège. Voilà. Merci, au revoir, bisous. Chez toi. Ça va nous faire des vassaux en moins et on récupère des territoires. Donc ça c'est bien. Prochain sur la liste. Bah Rouen on est à combien, tiens? 83%, bah c'est parfait ça, on va le faire dans la foulée. Hop 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 hop. Attendez, on recommence. Rouen. Oh, ouais bah là mon gars. Bon ouais, finalement ça fait pas un score si gros que ça hein. Alors c'est la guerre. Allez hop. On va voir comment on va le récupérer ce duché. Ça va être d'une facilité ennuyeuse. Ça fera moins de vassaux, plus de troupes du domaine. C'est parfait. Voilà, on a de l'argent, on va bien agrandir le domaine là. Ok, donc l'hôpital est complet. On pourrait faire un fort, j'ai jamais vu ce que ça fait, je vais le faire pour le fun. C'est vraiment pour le fun hein. Voilà, votre chapelain s'est fait surprendre en train d'extorquer de pauvres gens. C'est intolérable, il n'est plus chapelain. Comment a-t-il osé, le bougre? Voilà, prêtre impie. On va le torturer pour la peine. Ce blasphémateur exécrable que l'on aime gouverne du Ritenko le plus atroce, effectivement sa torture se fera avec une plume. Alors est-ce qu'il va... Il est devenu anxieux mais je pense qu'il l'était déjà, j'ai pas fait gaffe avant. Voilà, 100%. Ton fils est toujours vivant à Évreux. On va essayer de lui enlever à notre fils, tiens, allez hop. Parce que merde, voilà. C'est ridicule, mais après tout, on s'en fout. Au point où on en est, hein. On a arrêté notre femme, j'ai envie de vous dire. Hein. Davantage de troupes, mais oui. C'est vrai que toi, je pourrais faire une grosse bande de mercenaires. Hein. Pour le coup. Envoyer de l'équipement. Pour l'infanterie lourde, piquée, cavalerie lourde. Plaisir. Par contre, c'est chiant, c'est long à faire. Hein. C'est comment déjà le bouton Ah. Il y a un bouton, c'est pas assez pour valider les. Par contre, on va remplacer le capitaine. Ah, il y a un bouton, mais je sais plus lequel c'est. Bon. C'est pas grave, je le ferai, je le continuerai. Ouais, c'est la guerre, mon fils, tu vas voir, je vais t'écraser.
ça va faire du bien de récupérer tout le duché. Plus tant que je voulais le faire, ça. Donc, effectivement, hein, je peux avoir 5 dans la taille du domaine, autant en profiter. Voilà. Mon petit-fils. Voilà. On va le sortir de sa cachette. Le faire, et ben on va essayer de l'arrêter. Alors comment ça marche du coup? J'ai pas vu parce que du coup, comme j'essaie de l'arrêter, ah il a fui. Merde. Tu reviens à la cour? On aurait pu essayer de l'assassiner, mais ça va se savoir. On peut pas de toute façon. J'aime bien comme ça finit pour lui, c'est assez drôle. Lui, comte de Nantes, de Albret, de Retz. Ah bah tiens, lui, c'est l'occasion de l'arrêter aussi. On n'a pas réussi. C'est pas grave, on va laisser le faire quand même. Ouais, bah j'en profite, hein, écoutez. Je sais que c'est pas les guerres les choses les plus passionnantes, mais bon, vous êtes au courant que c'est un peu compliqué. La menace descend, mais c'est très 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 long. Toi tu seras mon physicien. Bouffon non. Commandant. Qu'est-ce qu'on a? Rien d'exceptionnel hein. On va prendre lui mais bon là clairement il n'y a pas grand chose. La duchesse de Somerset non. On va aller intercepter les troupes qui sont là si on a le temps. Pas appeler mes alliés là-dedans, non. Ah, il a eu traitement efficace, maladie bénigne, transformation mystique. Ah ouais, quand même. Hein. Effectivement, je comprends mieux pourquoi il meurt pas. Hein. On va essayer de détériorer les relations. Royaume d'Irlande. Donc lui on l'en fait roi d'Irlande. Et au poste de maréchal, on avait fait notre fils, mais on va prendre lui, parce qu'il est très très bon. Voilà. SX est un succès, tant mieux. Je vais envoyer de l'argent à lui. Voilà. Monsieur Emmanuel, mon prisonnier, s'est échappé de sa cellule. Ah, pas de pire. Hein. Donc du coup, on a bien récupéré. J'ai toujours le duché de Flandre, mais j'en veux pas du duché de Flandre, moi. Pourquoi je l'ai toujours ce truc-là? De Bruges, il a bien un héritier. C'est un comte de ville. Parfait! Tiens! Ensuite, on avait le duché de Norfolk. Tiens, une polonaise. C'est vrai ça?
l'enrichissement et le partage salique. Déjà, pour commencer. Oui, si tu veux, voilà. Choix comme ça. Ça va se séparer entre tes héritiers. Bon, par contre, la gueule des héritiers. Bon, on va quand même lui donner, hein. Voilà. On continue de faire des assauts. Très bien, faites-le entrer. C'est pas facile de subir la vue, même pour un moment aussi court. Ça fait un moment que je n'avais pas vu un homme si repoussant. Il a 13 ans. C'est pas sympa. Voilà, on est content de sa visite. On lui a fait bonne impression. On devrait avoir une relation plus saine. On fiche un peu, hein. Ah bah... Et ben voilà. Alors, on a rendu l'âme en mort de la grande vérole à 63 ans, maudit avec un amour malsain pour la nourriture. Turol était connu pour son énorme tour de taille. On craignait à sa tour court que ses habitudes le mènent à une disparition prématurée des années avant sa mort. Et pourtant, non. Il est remplacé par son fils, donc celui qu'on ne voulait pas jouer, l'empereur Turol II, entouré d'ennemis et de rivaux. Nous espérons que son règne ne sera pas écouté par un poignard planté dans le dos. Effectivement, ça peut aller vite, hein. Bon, de toute façon, c'est fait. Donc il va falloir faire très attention. Parce qu'avant d'être apprécié, voilà, là, comment on peut être aussi mauvais en diplomate? Ah bah oui, en étant malade. On va se augmenter en popularité le plus possible. On va essayer de rayonner par notre prestige qui a complètement reparti à zéro. Ouais, ça fait mal. Hein. On va préparer la succession. Non, tu vas pas diriger de troupes. C'est pas la peine de prendre des risques comme ça. On s'interdit de mener des armées. C'est très très bien comme ça. On va finir ce qu'on en était en train de faire. Construction de grandes. J'ai récemment hérité de l'armure chevaline lourde côte de maille. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en état d'être portée, monseigneur m'informe le quartier maître. Alors je caresse mon doigt la moitié de l'armure. On paye pour l'entretenir ou ça me semble inutile, elle est détruite. Oui, bah ça me va bien qu'elle soit détruite. Qu'est-ce qui se passe avec les grands ouvrages? Oui, on reprend la construction de celui-là. Alors attention, ouais, parce que par contre, mauvaise opinion, ouais, ça va être chaud, hein. Les impôts, je vais regarder, mais à mon avis, ça risque effectivement d'être tendu. Je vais peut-être les laisser vacants pour le moment. Effectivement, on va peut-être le mettre en pause. Dirigeant non couronné. Il est en train de vouloir tuer quelqu'un, lui, alors non. Bon, on va voir ce qu'on peut faire aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se cacher. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas apprécié. Bon, le conseil nous apprécie, hein, globalement, ça va. Qui on va nommer en conseiller? Le roi de Badajoz, tiens, déjà, ça va. Ça va calmer un peu les choses. Ensuite, c'est qu'il y en a des choses, hein. Pouf. On a dépassé le nombre de limites de vassaux. On a un enfant qui n'a pas d'intérêt d'éducation, c'est un parent à nous. Intrigue, c'est bien. Ça, on verra. Action spéciale de titre, on va mettre la couronne à Caen, comme toujours. On peut se cacher, on va le faire pour le moment. J'ai pas choisi mon régent par contre, effectivement, c'est une mauvaise idée de ma part. Alors non, faut qu'on arrête de se cacher. On va mettre en régent notre femme si c'est possible.
régent. Voilà. Et on peut se recacher. Merde, faut attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ah oui, faut que je déclenche les assauts. Pas prendre de fortification avec un niveau d'au moins 6. Ah oui, d'accord. Mais on va attendre. Alors c'est bien, par contre. Le duc de Tanger, où est-ce qu'il est? On va améliorer les relations avec lui. Le chapelain, tiens. C'est vrai que ça avait changé. Ok, mais lui on s'en fout, s'il est mort, ça m'intéresse pas. Continent de Sussex, bon après. Bon, on s'en fout, franchement, hein, vous savez quoi, on s'en fout. Allez, culturel, ici c'est bien. Voilà. Réussite de la guerre djihadique. Obtenir l'Andalousie. Ah! Ça, ça devient intéressant par contre. Ça devient même très intéressant. Oui, oui, bah rejoins le pack contre moi, t'as raison. Alors elle, j'ai l'impression qu'elle a déclaré la guerre entre deux Ber pour obtenir deux Herbat. C'est bien si elle récupère ça, moi ça me va. Ouais, super, elle va enfin récupérer tout ça, ça va devenir violet, superbe. Tiens, par là, peut-être que... pour élever un peu des troupes. Alors, je sais que le moral est pas là, hein, mais c'est pour essayer d'annuler la défaite. Merde. Ouais, je suis allé un peu en mode YOLO, justement pour voir un peu si le moral était vraiment indispensable. Bah notre fils, voilà, putain, il est vraiment pas terrible. Hein. Alors il aurait été bien là-dedans, mais non, là non plus. Bah il y a pas d'endroit où il sera parfait, quoi. On va essayer l'intrigue pour changer un peu. Bon, on a quand même gagné la bataille hein, au final. On a hérité du duché de Blois. Elle est morte dans les geôles. Ah bah oui, on l'a même pas libéré. C'est vrai que ça aurait été la première chose qu'on aurait pu faire. Faire ça bien, mais bon. Le duché de Blois. Alors, deux jures, c'est ça. Et là, c'est ça. Ok, donc toi... comment supprimer des vassaux? Toi, tu es deux jures dans le duché de Blois. Parce que non. Ah ouais, comté de Dijon... révoqué. Je l'aurais bien fait, mais... on va se recacher quand même. J'ai sans doute plus sur l'argent que sur les gens. Le trait avare, 10% de chance. Raté. Ça, un trait passé, pardon.
Bon, raté. Bah, j'aurais bien aimé Chaplin, mais je pourrais pas, quoi. Ici, on peut lancer l'assaut. L'évêque de Lisieux, c'est notre ennemi juré. On va attendre le bon moment, ouais. J'aurais peut-être pu le faire, parce que ça se trouve c'est lui qui veut m'assassiner, mais bon, tant pis. J'essaie de finir cette petite guerre hein, avant d'aller voir le reste. Une belle baffe en arrivant là. Oh putain, il fait une guerre sainte ce con. Alors je vais venir l'aider hein. Mais t'aurais pu attendre un peu gars. Au moins que je finisse ma guerre. De toute façon, je vais la finir là, normalement, avec les deux sièges qui vont tomber, je pense que ça devrait suffire. Frère se joindre à la guerre pour Séville. On peut rejoindre une guerre menée par un vassal. Pourtant, c'est une guerre sainte. Bon, attendez, on va aller voir ça après. Oui, donc... Nantes, Albret et Retz. Ok, donc Albret t'en a pas besoin. Conseille votre nom. Pardon. Vos puissants vassaux ne doivent pas être affaiblis. Hop, 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 on va changer quelqu'un dans la liste là. Toi. Non, peut-être pas toi, qui... Alors, quelqu'un qui nous aime bien, c'est possible. Et qui vote contre. Bah, c'est tous les vice-rois et le duc Botolf, ok. La personne qui nous aime bien là-dedans. Si, toi, t'es méga nul, hein. Mais c'est pas grave. On a rien à foutre. C'est juste pour pouvoir, normalement, je l'espère, avoir... Non, 4 partout. Bon, on va enlever quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Toi. On va mettre lui. J'espère qu'il va accepter parce qu'il est chercheur de gloire aussi, ça trouve... Merde, je me suis peut-être un peu... Fourvoyé. Ouais. Je pensais qu'au niveau des lois. Non, c'est déclaration de guerre, c'est encore le conseil, il faudra que je vote ça. Mais attendez, c'est parce que je suis en régence, non? Je savais pas ça, vous voyez. A mon avis, je quitte ma régence, maintenant je peux le faire. C'est parce que j'étais en régence. Ah bah ouais, je le savais pas. Maintenant je le sais. Eh oui oui, c'est ça prend le dessus du coup. Oula, c'est quoi le comté de Laour? Ok. Ça appartient au duché de Gascogne. Ok, donc à ce jour le duché de Gascogne c'est ça. Et non pas ça. Toi. Ah intéressant. Soustraire un vassal. Comte d'Armagnac. Bah oui, t'as pas trop le choix. Ah, c'est mon frère, tiens. Ouais, mais il va m'apprécier un peu plus, mon frère, parce qu'on va lui transférer le vassalage.
Alors. Du comte d'Armagnac. On va lui transférer le vassalage. Ça appartient à elle. D'accord, bon là on va pas pouvoir faire grand chose tout de suite en tout cas. Donc ça c'est moi qui l'ai, je vais le donner à... Il a quoi lui? Comté de Béarn. Il a ça. Il a le partage salique. Bon, ma cour. Qui ai-je à ma cour? Pas grand monde hein. Neveu, neveu. Ouais, on va lui faire changer d'éducation. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais on va lui donner le comté de là-haut. Et on va. Voilà. Et par contre, il me manque encore le Albrecht, celui d'Albrecht. Inviter un noble. On va lui donner le comté d'Albrecht. Parfait. Et on va aller voir notre fer. Transférer le vassalage du comte de Laour. Puis transférer le vassalage du comte d'Albrecht. Et donc voilà. Alors par contre, s'il est un peu trop grand, il devrait pas avoir la Guyenne, hein, clairement. C'est ça, hein, duché de Gascogne, deux jures, c'est ça, et là c'est ça. Bah, c'est bizarre pourtant, parce que la Guyenne, elle est à elle. Bon, écoutez, c'est déjà ça de fait, hein, on va dire. L'initiative d'enseigner est la bienvenue. Ce sera un bon anciennement. Très bien. Ah, on peut usurper le titre du duché de Gascogne. Alors on a affaibli notre frère, je comprends pas trop pourquoi. Alors que pourtant... Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. Le duché de Blois. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Duché de Gascogne. Voilà, au moins ça a annulé l'effet un peu pourri. Et on va le donner à lui. Il a une femme, elle a 17 ans, parfait. Duché de Gascogne. Bah non, t'es pas censé avoir ça. Ça, ça lui appartient à elle. Ah oui, c'est vrai, je sais pourquoi. Parce qu'il a ça. Non, mais je peux pas lui révoquer comme ça. Hein. C'est pour ça, ok, autant pour moi. Voyez donc, Lorient, que la personne, les insidieux commerçants d'origine grecque doivent être boutés au devant terre. Si vous êtes d'accord pour imposer un embargo au Doge Sérénissime, Nikita de Grèce, non seulement nous joindrons à vous dans cette guerre, mais nous vous offrons la conquête somme de 200. Quand même, nous assurions les dépenses de guerre seront faites par l'Ancône. On va accepter. Je sais pas trop comment ou ce qui se passe, c'est pour découvrir encore une fois. Est-ce que lui, on peut offrir de se joindre à la guerre du coup? Ouais, je fais 25 trucs en même temps, hein, ça doit être affreux à suivre. Vous ne pouvez pas rejoindre une guerre menée par un vassal, à l'exception des croisades. Ah, c'est une guerre sainte, c'est pas considéré comme une croisade. D'accord, ok, c'est pour ça. Bon, bah, je peux pas venir t'aider, démerde-toi. Par contre, je peux ranger ça, je peux ranger ça. C'est quoi ça? Ça, j'en veux pas. Escorte, elle est là, la vraie et unique escorte est là. Je l'ai supprimé l'escorte, hein. Il doit pas y avoir de piqué, y a rien du tout hein, normalement. J'espère en tout cas. Bon, on regardera ça plus tard. Oui, donc c'était lui que je devais nommer, accorder un titre foncier, le duché de Gascogne. Voilà. Super.
Et en même temps, vu qu'il m'aime bien, hop, voilà, t'es mon nouvel intendant parce que t'as des bonnes notes par rapport à certains. 34 vassaux sur 29 par contre, hein. Putain, on est vraiment pourri, hein. Je sais qu'on est sans couronne, c'est parce que j'aurais aimé avant faire un banquet ou un tournoi ou quelque chose. Si je reste pas devant, j'y pense pas. Ah oui, je suis pas en paix. Merde, c'est vrai. Mais guerre d'embargo normande contre la Grèce. Oh putain, fait chier, hein, franchement. What? Ah non, pardon. Je pensais que je m'étais fait manger tout ça, que c'était à moi. Oh là là. Je crois qu'il est temps d'arrêter là. Ça fait 45 minutes. Je pense qu'il faut plus que j'arrête parce que je commence à fatiguer un peu. On refera un épisode tout à l'heure. Le troisième de la semaine. Bah écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi. A très vite. Et puis on va bien voir ce qui se passe dans le prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. A très vite. Bye bye.